Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo sur mes pigeons. Alors il y a beaucoup de changements. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors ça n'a pas été une année super. Au total, je pense que j'ai fait une dizaine de pigeons de chair, sachant que j'ai 5 couples reproducteurs. Et environ une dizaine aussi de voyageurs. Enfin, moins de 10, hein, parce que je crois que j'arrive à les compter. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, j'en ai fait 9, voilà. 9 voyageurs sur 4 couples que j'avais. Enfin, que j'ai, ouais. Donc voilà. Alors ici, il y a un voyageur que les parents ont abandonné. Du coup, la femelle, les femelles l'ont repris en main. Du coup, je l'ai mis dans le nid. Donc, il reprend des forces. Voilà, là, c'est deux femelles, hein, c'est pas un couple. Donc là, la femelle blanche, normalement, elle était avec ce mâle-là. Mais je ne sais pas pourquoi elle s'est mise avec celle-là, qui est toute seule. Voilà. Après, j'ai eu des nouveaux pigeons d'un colombophile. Voilà. Celui-là, que des écaillés. Celui qui est dans le nid là. Celui-ci. Celui-là. Celui-là aussi. Et celui-là. Celui-là, il est pas mal, il a un joli dessin. Mais voilà, ils ont l'air pas être ouf ouf. Mais bon. Voilà. Donc là, il y a mon couple, mon vieux mâle bleu. Là, mon gros mâle bleu aussi. Après, il y a cette femelle qui est avec mon gros mâle bleu. Alors voilà, depuis tout à l'heure, celui-là, il me lâche pas. Je les ai un petit peu apprivoisés parce qu'il y en a certains que je les ai un peu nourris à la main. Du coup, ils sont toujours sur moi. Ils me lâchent pas. Voilà. Et après, que dire Mais voilà, après il y a pas grand chose. Bah, après il y a ceux-là, de nouveau. Ceux-là, c'est des jeunes. Ici, celui-là. Ceux-là, c'est le couple. Là, il y a un jeune aussi. Je sais même pas de quelle paroi il est. Voilà. Donc voilà. Il va y avoir pas mal de changements parce que je vais réduire beaucoup en couple. L'idéal serait que je reste avec 3 couples de pigeons de chair. Et 3 couples de voyageurs. Mais après, on sait comment c'est, on sait comment ça va. Ah, celui-là, il est joli, du coup, je le garde et voilà. Donc voilà, les amis. Donc après, vous voyez, c'est sale. Mais tout simplement parce qu'ils sont tous ici. Donc ils salissent deux fois plus. Ils sont vraiment pas mal nombreux, donc c'est pour ça aussi. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, il me lâche pas. Il est toujours sur moi. Voilà. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils à me donner. Parce que là, je sais pas pourquoi j'ai eu autant de pertes cette année. Si vous avez une remarque, voilà, dites-le. Donc si c'est sale, c'est normal, hein. C'est des pigeons et en plus, vous voyez combien j'en ai. Donc ça fait... Là, l'espace il est vraiment petit pour tout ce que j'ai. Mais ça c'est à voir. Déjà, je vais voir peut-être pour. Les nids vont sortir. Hein. Je vais sortir les nids. Je vais peut-être faire deux mini enclos, on va dire. Pour séparer les mâles des femelles. Pour faire une période de repos là. Parce que je pense que c'est aussi ça. Ouais, là-bas, il y a la femelle, elle est avec deux petits. Là, le mâle Soto, là, il couve un œuf. L'autre œuf, ils l'ont cassé. Regardez, il est juste là. Ils l'ont cassé. Je sais pas. C'est les Soto, je crois que je vais les dégager aussi parce que depuis que je les ai ramenés, ils font un peu n'importe quoi. Voilà. Et après, voilà. Donc voilà, les amis. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Likez. Un commentaire si vous en avez envie, voilà. Ça fait plaisir que
que vous me demandez une vidéo sur les pigeons. Bon, il y a certains qui veulent pas trop, hein. Mais bon, voilà. Voilà les amis. Donc, à une prochaine.